califa. Vous avez le droit de rester chez nous, en terre d'islam, mais en compensation, vous payez un impôt. Et vous le payez biyadin sahirin. Vous le payez, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, vous le payez humilié que vous êtes. Les savants, d'ailleurs, en faisant l'exégèse de ce verset, chacun y allait de son interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire, saririn, humilié? Mais il y a des savants qui disent qu'on doit leur prendre comme ça de force, on doit leur arracher des mains. Quand ils viennent comme ça avec leur tribu, on leur arrache des mains comme ça pour leur montrer c'est nous qui sommes en position de force. Ici, on est chez nous. Et vous êtes humiliés parce que vous êtes des mécréants. Regardez un petit peu Al-Wala ou Al-Bara. petite pique très amicale, mes chers frères et mes sœurs. Vous qui êtes en France, vous qui êtes en Belgique, vous qui êtes en Suisse, vous qui êtes au Canada, vous êtes des vimis ou vous êtes des musulmans? Alors oui, Ahmed me dit le monde à l'envers. Ahmed, il n'a pas osé me... Alors Nassim me dit on est des vimis musulmans, ben c'est ça. Hein. Malheureusement, je le dis sans condescendance aucune, hein, mais c'est plutôt pour vous motiver, pour vous ouvrir les yeux. Vous savez que j'ai à cœur d'ouvrir les yeux aux gens, même si vous devez me détester pour cela. Si après ce séminaire et ce cours-là, vous avez ouvert les yeux et que vous vous êtes remis en question, traitez-moi de tous les noms d'oiseaux, alhamdoulilah, dans tous les cas, c'est des hasanats pour moi. Si le conseil est accepté, j'aurai mes hasanats. Si vous m'insultez et rejetez mon conseil, j'aurai des hasanats aussi. Donc je risque pas de me priver de vous dire la vérité, mes frères et mes sœurs. Vous êtes des musulmans, incha'Allah ta'ala, je l'espère pour vous, que vous êtes sincères dans votre islam. J'espère même que vous êtes de bons croyants. Cependant, vous êtes traités comme des vimis par les mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils vous obligent à payer des impôts. Ils vous obligent à payer des taxes pour pouvoir vivre sur leur territoire. Ben toi, lorsque tu es en France, tu es obligé de payer des taxes, même si tu n'es pas propriétaire et que tu ne payes pas la taxe foncière, tu ne payes pas la taxe d'habitation. Quand tu vas chez la boulangère acheter ta petite baguette, tu te dis, moi je ne donne pas d'argent à cet état d'associateurs, de macronistes qui aident Israël, etc. Ouais, mais rien que ta baguette, que tu achètes 1 euro, ben y a 5,5 centimes qui partent dans les caisses de l'État. Parce que tu payes 5,5% de taxes sur l'alimentation. Et sur autre que l'alimentation, la TVA, c'est 19,6%. Ça veut dire que quand tu achètes en France ton petit smartphone, hein, fabriqué par des Chinois qui oppressent nos frères Ouïghours, mais comme apparemment il n'y a que la Palestine qui compte dans le monde, il n'y a pas de souci d'acheter... Il faut boycotter Coca, il faut boycotter McDo parce que ils financent le terrorisme israélien, mais boycotter la Chine qui finance le terrorisme contre nos frères Ouïghours, non, là, ça pose de problème à personne. Mais admettons, j'achète mon petit Xiaomi à 100 euros. Mais en réalité, dans les 100 euros, j'ai donné quasiment 20 euros à l'État français. Et qu'est-ce qu'il fait l'État français avec tes taxes de Vimmi, avec tes impôts que tu payes, impôts sur la société? Toi, t'es patron d'entreprise, tu payes des charges salariales. Il part où tout cet argent? Outre les jets privés de Macron, de comment il s'appelle, Darmanin, etc., qui n'ont pas envie de prendre le bus comme tout le monde, ou de prendre le train, non, c'est jet privé. Outre les repas avec caviar, saumon et langoustine à chaque menu à l'Elysée, parce qu'on est, faut pas qu'on ait des tickets resto à 8 euros comme les pauvres, hein. Nous, les repas de ministres, c'est sur le dos du contribuable. Outre financer le train de vie de vos dirigeants koufars, il part où cet argent, si ce n'est à financer Israël, financer les guerres contre les musulmans dans le monde, en Centrafrique, au Mali, etc. Il part où l'argent si ce n'est pour financer les salaires des policiers, des gendarmes qui mettent des amendes à nos sœurs parce qu'elles portent un niqab, qui mettent des amendes à celui-là parce qu'il a égorgé un mouton dans son jardin pour El Aïd, etc., etc. Donc c'est ça le problème de vivre dans les terres de Kouf et qui plus est de vivre en France. C'est qu'on est des musulmans qui sommes traités comme de vulgaires vimmis. On nous oblige à qu'on le veuille ou non, à payer des taxes et des impôts. Et le pire, c'est que ces taxes et ces impôts, elles alimentent une guerre contre l'islam et elles financent tout ce que l'islam condamne. Le transgenrisme, la promotion du LGBTisme, etc. Toutes les pubs là que l'État fait, vous pensez que l'argent il tombe du ciel? C'est votre argent, de vos impôts qu'ils utilisent pour financer tout ça. Donc plus tôt vous aurez fait votre hijra, et vous aurez vraiment concrétisé al-wala ou al-bara, l'alliance et les désaveux, et vous serez réellement et viscéralement désavoué de ces associateurs et de ces mécréants en les quittant et en disant maintenant plus un centime ne vous parviendra de nous, et plutôt vous serez des musulmans croyants qui ne seraient plus traités comme de vulgaires vimmis. Qu'Allah vous facilite à tous la hijra, mes chers frères et sœurs.
أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En espérant que vous allez tous et toutes bien en cette soirée de ce 10 juin. De lundi 10 juin, il est précisément 22h25. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de cette présente vidéo, vous avez entendu, vous avez écouté les propos qu'a tenus le Chir Sami Philippe Chaouch. Ce dernier a évoqué très récemment, me semble-t-il hier, la question de la dhimma, évoquée dans la sourate Tauba, verset 29 de la sourate 9. Il a fait un parallèle, bien plus qu'un parallèle, il considère que les musulmans qui vivent en Belgique, en Suisse, au Canada, en France, ont exactement, et je précise bien, pour être fidèle à ses propos, ont exactement le même statut que entre autres, les gens du livre, juifs et chrétiens, à une certaine époque de l'islam. Au nom du verset de la sourate 9, verset 29. On est au même niveau que les gens du livre à l'époque, c'est-à-dire nous sommes humiliés. Nous avons exactement le même statut, le même. Ce qui n'est pas le cas, manifestement, du Chir Sami Philippe Chaouch, qui lui, vivant sur les terres du califat, dans le royaume chérifien, quelque part dans la ville de Tanger. Ce qui lui permet de nous parler, nous interpeller, nous critiquer, nous montrer du doigt finalement, même s'il s'en cache, mais c'est ça qu'il faut retenir, sur ce ton. Parce que lui, il a tout l'honneur du musulman chez lui est préservé, sa dignité, donc il peut, voilà, il s'adresse à nous avec une certaine une fierté que nous, on a perdu, vivant au Maroc, vivant en Belgique, en Suisse, au Canada, en France et partout ailleurs finalement sur la Terre, sauf dans le royaume chérifien, quelque part dans la ville de Tanger. Bon. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de son intervention et qui justifie finalement, parce que moi lorsque je qualifie quelqu'un de ceci ou de cela, je me justifie toujours. Donc lorsque je le qualifie d'ignorant qui s'ignore, c'est que je considère que c'est un ignorant qui s'ignore. Ignorant parce que j'écoutais pas mal de ses interventions, mais malheureusement j'ai pas le temps de le réfuter dans un premier temps, et qui s'ignore parce qu'il s'ignore. J'apprends rien à personne que le... À moins que ça a changé, hein, entre hier et aujourd'hui, ou avant-hier et aujourd'hui, ça a peut-être changé. En tout cas, je pense que je n'apprends rien à personne que le Maroc n'est pas un califat. C'est une terre d'islam, oui, c'est une terre d'islam. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. L'immense majorité des musulmans qui vivent sont musulmans, musulmans avec tout ce qu'on peut apporter comme que critique, mais ce n'est pas le sujet. C'est une terre d'islam, contrairement à la France, entre autres, qui ne l'est pas. Mais est-ce que ça permet pour autant de tenir les propos qu'il a tenus? À mon sens, non, et je m'en expliquais. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de son intervention? C'est le fait qu'il s'ignore dans un premier temps. Il s'ignore complètement. Alors qu'il fait partie du voyage, il n'a absolument rien, et je pèse mes mots, il n'a absolument rien de différent en termes de questions de dhimma avec les musulmans du reste du monde, notamment de Belgique, de France, de Suisse, du Canada. C'est les pays qu'il a cités. Rien. Il a le même statut. Le même, exactement le même. Peut-être même pire. 1. Donc il s'ignore.
La deuxième des choses, c'est qu'il considère que lui, il a les mains propres. Il peut, tous les matins, lorsqu'il va faire le dos, se regarder dans le miroir. Il n'a pas de sang de musulman dans les mains, il ne contredit pas la corruption, il n'alimente pas le façade, il n'alimente pas des corrompus, etc., 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 etc. Lui, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Deux. voilà. En gros, c'est ces deux points-là que j'ai envie d'évoquer avec vous. Alors, est-ce que c'est le cas et pourquoi ça ne l'est pas? Sinon, je n'aurais pas fait la vidéo. Non, ça ne l'est pas. Sur ces deux points, il est exactement comme nous, voire peut-être même pire. Ben déjà pire parce qu'il s'ignore. Donc s'il s'ignore, ça cause problème. Si c'est pas qu'il est au même niveau, pareil que nous, et l'immense majorité des musulmans dans le monde, c'est que ça cause problème. Ça interroge quand même. Comment cela se fait-il? En fait, il faut qu'il nous explique. Alors, je sais qu'il part du postulat, parce que c'est un matrali, hein, c'est, il fait partie de ce courant de pensée, si pensée il y a, de la matralia, qui considère que l'État dans lequel il vit, les musulmans, c'est-à-dire que le gouvernement de ces pays, sont des gouvernements musulmans comme l'ont été le califat de Omar, de Ali, de Othman, de Abu Bakr, radiallahu anhum, avec bien sûr des problèmes économiques, des ceci, de ça, mais sur le pilier principal, numéro 1, ils sont, à la différence des pays occidentaux, des pays musulmans, à qui on doit obéissance, ex patati, patata, et patati, patata. Et il leur applique les textes en ce sens. A contrario, les autres, c'est des koufars. Là-bas, c'est des musulmans, avec plein de machins trucs, mais ça reste des musulmans. Alors là, c'est... Alors... les avantages, parce qu'il parle de la hijra. Il dit à ceux qui l'écoutent, il faut faire la hijra, regardez, moi je suis dans le califat, machin truc, etc., machin, moi je pète pas un truc, machin truc, machin, moi, et vous devrez faire comme moi. En gros, voilà, pour résumer, pour éviter de passer un quart d'heure à vous expliquer, mais vous avez compris, j'en suis absolument certain. Bon, donc, la hijra. La hijra, le principe de la hijra, c'est pas de quitter une terre pour aller vers une autre terre. Le principe de la hijra, c'est de fuir ce que Allah a interdit. Et s'il faut quitter une terre pour le faire, il faut la quitter. Est-ce que les musulmans de France se rapprocheront de l'islam et commettront moins de péchés, etc., 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 et finalement chemineront sur le chemin de la piété et de la satisfaction divine en allant au Maroc, j'en suis pas tout à fait sûr. Alors oui, il y a du pour. Oui, pour celui qui aime bien se balader en khamis dans la rue, il y a du pour. Pour celui qui aime pas trop travailler, machin truc, il peut, sans problème, passer son temps sur les terrasses à boire, à faire des chichas, boire du thé, machin truc. Pour celui qui veut ramadan, machin, hijab, machin, truc, mais il entend de la prière, il n'y a pas de problème. Ça, vous ne l'avez pas en France. Donc pour un certain nombre de choses qui sont coraniques et prophétiques, c'est sans aucun doute plus avantageux un certain nombre de pays maghrébins, arabes. Sans aucun problème. La question qui se pose, c'est est-ce que vous allez gagner au change ou est-ce que vous allez perdre? Si vous, dans votre pratique, vous êtes quelqu'un de laïque, et que vous considérez que votre islam est un islam culturel qui commence à l'Aden pour terminer au Khamis, dans ces cas-là, il faut quitter la France et partir dans un de ces pays là-bas, quelque part, et vous serez parfait. Ça serait excellent pour vous. Par contre, si vous considérez que l'islam, ce n'est pas que cela, l'islam, c'est aussi de parler, de dénoncer, d'essayer de faire quelque chose, etc., 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 donc un travail en ce sens, entre autres, qui est aussi coranique, et prophétique, alors vous allez, je vous conseille, alors non, ne faites pas, sinon, alors là, vous vous jetez en enfer, là, vous allez tout droit en enfer, là, c'est les geôles qui vous attendent, hein. Petit extrait.
ce malheureux monsieur a eu le malheur de parler, de dire quelques mots pour manifester sa contestation avec la normalisation de son pays, avec l'État d'Israël, l'identité Israël. 5 ans de prison ferme. Et 5 ans là-bas, c'est 15 ans en France. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il a fait ce que l'islam lui demande de faire. Il a fait de mal à personne, il a tué personne, il n'a pas appelé au terrorisme, il n'a pas posé de bombe, il n'a pas rien, il a simplement dit « je suis contre, machin, etc. » Ça, c'est un exemple parmi des milliers. Ils ne sont pas autant nombreux parce que les gens ont compris que c'est une horreur. Les gens ont parfaitement compris le message. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ça, c'est un. Donc, ça, c'est l'égir n'a aucun sens, déjà, pour commencer. Quitter là-bas pour aller là-bas, à mon sens, si je devais choisir entre avoir une facilité dans la pratique en ce sens et de l'autre, je prends l'autre. Parce que ici, c'est quand même des éléments qui sont quand même secondaires par rapport aux autres. Là-bas, c'est pas accessible. Ici, ça l'est de plus en plus difficile. En tout cas, ça l'est beaucoup plus que là-bas. Là-bas, c'est l'Algérie, la Tunisie, machin, etc. Et tout le monde faisant partie de ces pays-là comprennent parfaitement ce que je dis, ils savent parfaitement ce que je dis, est parfaitement vrai. Un. Ça, c'est le premier point. Le deuxième des points, celui-ci nous explique que lui, il est vivant sur l'état du califat, dans le royaume chérifien, quelque part dans la ville de Tanger, il est musulman, c'est pas un dhimmi, parce que son gouvernement est un gouvernement islamique, selon sa secte de la Madakhila, selon leur secte. Je vous partage cet extrait. Alors, Nawawi nous dit, je relis, le Qadi Iyad écrit que les ulama s'accordent unanimement que l'imamat de l'impie n'est pas valable. Le kofar ne peut pas être imam. Ça, pas besoin d'avoir fait al-azhar une semaine pour le savoir. Que si le chef devient impie au cours de l'exercice du pouvoir, il sera systématiquement destitué. S'il tombe dans le kofar, enfin, il devient mécréchien, ce que vous voulez. Il en est de même, ajoute le Qadi, lorsqu'il néglige de veiller à l'accomplissement de l'appel à la prière, et de même poursuit le Qadi lorsqu'il commet une hétérodoxie, bid'a. Mais s'il devient impie au cours de son mandat, explique le Qadi Yiyad, et qui change la loi divine ou commet une hérésie, il perd systématiquement son statut, et l'on est alors dispensé du devoir de lui obéir. Voir les musulmans doivent obligatoirement se soulever contre lui, le destituer, pour s'installer à sa place un imam juste, s'ils le peuvent. Mais s'il devient impie au cours de son mandat, explique le Qadi Iyad, et qu'il change la loi divine, ou commet une hérésie, il perd son statut systématiquement. En quoi ces pays ont un rapport avec la charia, avec le Coran, au sens étatique du terme? En quoi? En quoi? Alors oui, ils font la prière. Oui, ils font le ramadan. Oui, t'entends le adhan, sauf dans certaines villes, machin, truc, parce que ceci, parce que cela. Ok, très bien. Est-ce que le Coran, il est appliqué? Est-ce que les lois pénales sont appliquées? Est-ce que les lois civiles sont appliquées? Etc, etc, nullement. Il n'y a aucune différence entre ces pays-là et la France. Aucune. Je dis bien aucune. Et ils sont à la ramasse au niveau du social. Ils sont complètement à la ramasse. Il y a plus de social en France que là-bas, comme tout le monde le sait. Leurs lois contredisent radicalement, sur tous les points, le Coran. Là où Allah a dit A, ils te disent B.
la loi du voleur, de l'homosexuel ou de ceci ou de cela, ils sont contredites par d'autres lois qui sont légiférées chez eux. Qu'est-ce que tu nous racontes lorsque qu'est-ce que tu racontes en fait? C'est quoi cette conception de considérer parce que la personne a fait la prière et qu'elle a fait la shahada et qu'elle piétine ouvertement au vu de tout le monde, et je passe sur autre chose pour ne fâcher personne, elle est musulmane et donc tu te trouves sur un territoire, sur une terre du califat. D'où ça sort ça? D'où ça sort ça? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Donc il suffit que la personne a fait la shahada et que tu l'avais prié tarawih ou je sais pas quoi, et qu'à côté de ça, il y a l'intérêt, patati patata, elle est musulmane. Tu fais allégeance et tu dois obéir pour réformer comme votre truc, machin, votre délire. Tu réformes ce qui est réformable. Tu répares ce qui n'est pas cassé. Mais une chose qui n'est pas réformable, une chose qui est cassée, il n'y a aucune différence. Apparemment, tu fais une différence. Il n'y a aucune différence. Aucune. Je dis bien aucune. Donc, en termes de statut, tu es exactement comme tous les musulmans du monde. Il n'y a aucune différence, sauf que tu t'ignores. On ne peut faire aucune différence. Ça, c'est deux. Ensuite, tu nous expliques que les musulmans de France, de Belgique, de Canada, de Suède, d'Australie et de Suisse, en dehors du fait d'être humiliés, humilié, tu fais un parallèle entre leur zimma et les impôts. Ça n'a rien à voir. Tu nous expliques qu'on est obligé de payer les impôts la zimma, comme tu l'expliques, on l'arrache à la personne, je reprends tes termes, vous les traitez comme des dhimmis, payer les impôts comme ça, on leur arrache des mains, et que s'ils ne payent pas les impôts, ils sont parce qu'ils sont obligés de payer les impôts, les taxes, pour vivre sur leur territoire. Si on ne paye pas les impôts, on ne peut pas vivre sur les territoires. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui ne paye pas des impôts, ou quand il va payer des impôts, je ne sais pas, on lui arrache, comme tu dis toi, on lui arrache des mains. On leur arrache des mains pour l'humilier, pour le montrer qu'ils sont supérieurs. Est-ce que tu as déjà vu un Français de confession musulmane, lorsqu'il va payer la TVA, des impôts ou ce que tu veux comme taxe, on lui arrache des mains, comparable à ce que tu as dit dans l'expression de la zimma. Est-ce que tu as déjà vu ça, quelque part? Là, c'est de la psychiatrie. Là, on est dans la psychiatrie. Ça n'existe pas. La zimma, en plus, nous dit on est obligé de la payer, sans quoi, pour vivre sur leur territoire. Donc, un musulman français, pour qu'il puisse vivre en France, il faut qu'il paye les impôts, sans quoi il ne peut pas vivre. D'où tu sors ça? D'où ça existe, ça? Tu ne payes pas les impôts en France, tu as des aimants, des redressements, mais jusqu'à preuve du contraire, moi j'ai jamais vu quelqu'un qui on lui demande de quitter le territoire français parce qu'il n'a pas payé les impôts. A contrario, dans l'islam, tu ne payes pas les impôts, tu ne payes pas la jizya, on te tue. On te tue. Tu es contraint de payer la jizya. Si tu ne la payes pas, on te tue, comme la zakat, que tu ne payes pas. Parce que je vois pas à qui tu pourras payer la zakat. Alors si tu la payes à ceux que tu considères comme un état islamique, un califat, ça c'est autre chose. Donc tu nous expliques que la dhimmi, on l'arrache des mains pour humilier la personne, qu'on la paye sans qu'on ne peut pas rester... ça n'existe pas ce que tu racontes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc il n'y a aucun parallèle à faire entre les impôts et la jizya. La seule question sur laquelle on sera sûrement d'accord, c'est que le musulman est réduit à lui de payer. Alors que c'est lui qui doit recevoir. Voilà, c'est tout. Après les formalités, elles n'ont plus rien à voir du tout. Là-dessus, on est d'accord. Ensuite, tu nous dis que nous, les téléphones, machin truc, on contribue, machin truc, le téléphone, le truc, je sais pas quoi... Les taxes, etc., on contribue. Puis déjà, la TVA, c'est pas 19,6, c'est 20%. Bon, ça, c'est pas grave, on peut pas te reprocher, tu travailles pas aux impôts. Alors, quand on achète une baguette, un smartphone, etc., on contribue, etc. Pourquoi, toi, ton téléphone, il est fabriqué où? Il est fabriqué par le Khoroto, ton téléphone? Ta connexion Wi-Fi, elle vient d'où? Elle vient de Khoroto.
Ta caméra, tout ce que tu utilises dans ton quotidien, il vient d'où? Ta voiture, l'essence de ta voiture, ton téléphone, ta puce, toi, ta connexion Wi-Fi, etc. Ta baguette, etc. Ça vient d'où? Ça vient des Koufars. Alors, ta baguette, c'est un Marocain qui va te la vendre. Mais lui, d'où il a acheté le matériel? Tu crois que c'est lui qui a fabriqué le four et machin bidule chouette? Non, 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 c'est les Koufars qui l'ont fabriqué. Ton téléphone t'appelle, là, il vient d'où? Ta carte SIM, même si elle a un nom qui est propre au pays, mais le satellite, il n'est pas eux. Tout ce que tu as vient des Koufars. Comme nous, tout ce qu'on a vient des Koufars. Donc quand tu achètes, toi, dans un magasin marocain, c'est pas parce que tu as acheté chez un épicier marocain que le produit vient du Maroc. Il vient, à la base, il a été importé des pays Koufars. Tout ce que tu as. Il n'y a rien que tu as, peut-être à part ton Kramis ou ton Siwek, il n'y a rien que tu as qui vient d'un pays qui fabrique pour les musulmans, et que c'est machin, etc., etc. Rien. À part ton Kramis et ton Siwek. Donc tu n'as aucune différence entre nous et les autres. Aucune différence. Tu es au même niveau sur le statut et au même niveau par rapport à la question de la corruption du sang. Ce qui est vrai. Mais tu es au même niveau. Ensuite, on nous dit, oui, vous payez des impôts pour que les bons jets privés, Macron, Darmanin, repas, caviar, saumon, train de vie, etc. Ah, putain, mais c'est pas possible quand même. Je sais pas, c'est pas possible quand même. Déjà, Macron, il n'a pas de jet privé, à ma connaissance, il n'a pas Darmanin, alors qu'il utilise l'argent des impôts, ça on le sait, hein, tout le monde le sait. Mais dis-moi, tu fais exprès ou je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu n'es pas au courant de l'argent qui achète des jets à ces gars? Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est quand même incroyable d'entendre des choses comme ça. La corruption de ces pays et comment ils dilapident l'argent des peuples, elle n'est pas comparable par rapport aux sociétés occidentales. J'ai pas envie de commencer à sortir les trucs qu'on peut trouver, tout le monde peut trouver sur Google. Pour acheter des jets, pour ceci, pour des palais, pour des trucs, des machins, des trucs, c'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Mais apparemment, tu l'as pas vu ça. Ou apparemment, c'est halal. C'est son argent. Il a travaillé, ils ont travaillé pour avoir cet argent, etc., etc. Tu nous parles de répression. Ici, les flics, ils mettent des amendes aux sorts qui portent niqab. Là-bas, non, ils mettent pas des amendes. Non, ils mettent pas. Au contraire, tu peux porter le niqab sans absolument aucun problème. Mais pour autre chose, c'est pas des amendes qu'elles vont payer. Si tu vois ce que je veux dire. C'est pas des amendes qu'elles vont payer. C'est pas des amendes. À l'intérieur d'un marché, droit. Droit selon le code machin, pas selon le code machin. Dernier extrait. Voilà cet extrait de Wikipédia qui nous apprend que votre secte est une secte qui a été largement favorisée par les États arabes. On le comprend. On le comprend. Parce que vous êtes des soutiens au taghout, à la corruption, au façade, au volme et à tout en fait. Vous êtes... c'est quand même fort. C'est quand même fort. C'est quand même fort. Vous êtes pire que des laïcs. Parce que la différence entre Rachid Ejjay et toi, Rachid Ejjay, l'islam d'un côté, la laïcité de l'autre, il a choisi la laïcité. Toi, tu nous fais un mélange en faisant croire aux gens, vous, votre secte, que votre compréhension de la religion repose dans les textes. Lui, non. Lui te dit, voilà, l'islam, il est là, la laïcité, elle est là. Deux choses différentes, il a choisi son camp. Toi, tu fais croire aux gens que le fait de votre approche par rapport à ce que vous considérez être comme un califat, machin truc, vient des textes. Dès lors que la personne a fait la shahada, que c'est des musulmans, il est musulman, il peut tuer, il peut enfermer, il peut violer, il peut piétiner toutes les lois du Coran, etc. Il est musulman. Et ça vient des textes. C'est pour ça que vous êtes favorisé, que vous êtes aidé, que vous êtes promu par le... ils auraient tort de s'en priver. Ils auraient tort de s'en priver. Parce que vous les validez.
C'est une secte qui a été fabriquée manifestement par la CIA. Hein. Je ne peux pas dire autre chose. Parce que vous arrivez à justifier au nom du Coran qu'on doit obéissance, allégeance à ce gouverneur au nom du fait qu'il a fait la jihada. Par conséquent, il devient musulman. On doit l'obéir comme si on l'obéissait au prophète ou à Omar ou à Abou Bakr ou à Ali ou à Othman. Et que tout ce qu'il fait doit être inscrit dans le sens des infractions, des erreurs, d'un manquement quelconque auquel il faut s'évertuer à réformer. A contrario, les koufars, c'est des koufars. Il va falloir appliquer les textes à la lettre. Je comprends pas. Donc, à partir de jusqu'à quand c'est jusqu'à quand je veux dire, ils coupent des bébés devant toi, de la pédophilie, enfin, je comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, ça me dépasse. Très sincèrement, ça me dépasse. Bon. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.